le petit pois fait partie des espèces de légumineuses. Et l'intérêt majeur de ces plantes, c'est qu'elles ont la capacité de créer des liens forts avec des bactéries qui sont naturellement présentes dans les sols. Et donc ça s'appelle des symbioses. Et donc c'est un échange de bons procédés. La plante fournit des nutriments à la bactérie et la bactérie en échange va permettre de fournir de l'azote qui est prélevé dans l'air, qui normalement n'est pas accessible à la plante. Et donc ça va éviter de devoir apporter des engrais chimiques aux petits pois, azotés notamment. Et donc la plante va avoir cette capacité d'être autonome sur son développement. Et puis par ailleurs, ça permet aussi de capter l'azote et de le restituer aux cultures suivantes. Et donc c'est un grand intérêt dans les rotations des productions ici dans les Hauts-de-France, puisque ça permet de réduire certains engrais azotés dans des plantes suivantes, et notamment dans certaines céréales qui vont être implantées après les petits pois.